il faut manger selon ta morphologie. Ça veut dire quoi? Si tu es skinny fat, skinny fat, c'est le gars qui est ici. Tu es maigre, tu sais, tu es tout maigrichon, mais tu as du bide. Attends, je vais essayer de gonfler le bide. Tu es maigre. Il va falloir manger selon, comme quelqu'un, par exemple, qui veut perdre du poids. Mais tu auras un entraînement d'un mec qui veut prendre du muscle. Tu vois le truc? Il faut manger selon ta morphologie. Si tu es ectomorphe de base, tu vas pas manger comme quelqu'un qui veut perdre du poids. Ça, c'est le conseil le plus important. Okay, tu as une morphologie vraiment adéquate pour prendre de la masse musculaire. Tu vas pas manger trop de glucides. Parce que tu sais que tu vas être dans cette catégorie-là et tu vas prendre quand même beaucoup de bide. Et si toi, tu as envie vraiment de prendre du muscle que sec, je te déconseille vraiment de manger comme quelqu'un qui veut vraiment prendre beaucoup de masse musculaire. C'est pour ça que je t'ai dit, le programme NutriMass dont je te parlais, il n'est pas adapté à tout le monde. Parce qu'il y en a qui vont vouloir vraiment prendre la masse musculaire beaucoup et rapidement. Et il y en a, c'est vraiment petit à petit, 1 kg par 1 kg, mais vraiment sec. D'accord? Selon ton objectif, ta morphologie, toi. Ok? Est-ce que ça vous paraît évident? La nutrition, c'est à la fois compliqué et simple. Simple, pourquoi? Parce qu'il suffit de baisser les calories pour maigrir, augmenter les calories pour grossir. Dites-moi, quelle morphologie vous êtes là? Est-ce que vous êtes plutôt skinny fat, c'est-à-dire vous êtes fin avec un gros bide, enfin, vous êtes pas la morphologie la plus esthétique, je le conçois. Est-ce que vous êtes plutôt strong un peu fat, tu vois le truc, un peu mésomorphe, jouer à Armstrong. Ou alors est-ce que vous êtes plutôt comme moi, c'est-à-dire sec assez athlétique.